arrivés à mi-chemin qui nous ont fait dérailler. Vous allez m'écouter maintenant. Il faut qu'on aille au prisme. Le prisme, c'est notre dernier espoir. Hargreaves est le seul à connaître les réponses. Vous devez y envoyer Alcatraz et l'évacuer dans la foulée. Je pourrais jamais m'approcher de ça. Surtout qu'on a pas mal encaissé tout à l'heure. J'ai plein de ruptures dans le circuit d'alimentation. On crache du fuel comme un cochon égorgé. Je vais devoir faire un crochet et vous larguer au sud. Désolé. Allez, on embarque tout le barbare. On se prépare à larguer ce type par l'arrière de la dame. Quoi? T'es prêt? Largage imminent. Je vais voler le plus bas possible, mais faites vite, c'est dangereux. Je suis très touché que vous vouliez revenir me chercher, Alcatraz. Mais vous devez procéder avec prudence. Lockhart a déployé ses meilleures troupes partout dans l'île. Je vais vous guider au mieux, mais ma visibilité est plus que limitée. Infiltré, l'hydrosphère. Camouflage, avancé au nord vers le prisme. Un surcroît de prudence, ce ne serait peut-être pas inutile. Ralentissez et ouvrez grand les oreilles, Alcatraz. Lockhart vous réserve un piège à impulsion électromagnétique au prochain point de contrôle. S'il est activé, les systèmes de la nanocombinaison seront détruits et vos synapses avec. Nous n'avons pas le temps de contourner le piège, mais nous pouvons le déjouer. Il y a une station électrique auxiliaire pour le prisme près de la rive est, pas loin de votre position. Atteindre la station électrique.
arrivé. Mais le générateur qu'il utilise pour son blast IEM fait transiter par cette station une quantité d'énergie proche de la surcharge. Si vous parvenez à déclencher le mécanisme d'arrêt, ça devrait définitivement rétablir le système afin d'empêcher toute surtension. Il n'en sera rien, car ça ne s'affichera pas sur son système. Mais quand il actionnera les commandes, croyez-moi, ce sera bon. Déviez le courant pour désactiver le piège IEM. Excellent. Maintenant, quittez les lieux au plus vite. Le seul aura sans aucun doute détecté la panne. Ils vont envoyer un détachement. Quittez la station. Donnez pas le temps de s'apercevoir de ce que vous avez fait. Ils envoient des renforts à la station électrique. Attention, Alcatraz. Tout va bien jusqu'à présent. Ce n'est pas le moment de tout foutre en l'air. Levez la porte intérieure.
Porte intérieure levée. Nano-vision activée. Première position de tir, vous envoyez la sauce. Inutile de tenter le diable ce coup-ci. Nano-vision activée. Il y a un regard d'évacuation sur votre gauche. Ouvrez-le et descendez les tuyaux jusqu'à la rivière. Je déverrouille la porte et vous envoie les coordonnées de Lockhart. Allez! En avant! Bien sûr. À tous, passage en tir automatique. Attention aux balles perdues. Espacez-vous! Éliminez le commandant Lockhart. Saint-Francis, attention.
finissons-en. Travail. Mes locaux vous sont ouverts. Je vous ouvre l'entrée du Pris. Rejoignez-la sans perdre une minute. Merci, mademoiselle Strickland. Très beau travail. Vérifiez son pouls, vous voulez bien? Et faites-le transporter au labo d'écorchage. Il faut le préparer au plus vite. Le temps travaille contre nous. Alerte IEM. Système défaillant. Système basculé sur fonction primaire. Système de survie prioritaire. Alerte IEM. Système défaillant. Système basculé sur fonction primaire. Système de survie prioritaire. Alerte. Protocole de couche engagé. Routage des systèmes. Prends l'étoile Q, Marine. Tu crèveras plus tard. Reprends ton hélico. Juste un autre Troufion, je le crains. Prophète aurait pu parler. Au moins, la nano-combinaison est intacte. C'est la seule chose qui compte. Pour le reste, j'improviserai quand je l'aurai enfilé. Ah, mon jeune ami. J'espérais vous éviter d'être conscient, mais la nano-combinaison ne l'entend pas de cette oreille. Alors, on peut s'y mettre.
Cette trahison m'attriste vraiment, mais c'est la seule solution. Cette combinaison, celle-ci, et aucune autre si je veux avoir la moindre petite chance d'arrêter les SF. Un simple soldat ne sera pas suffisant. J'ai du mal à cerner ce qui se passe. Ok, prophète. Vous avez assimilé les nanosystèmes des SF. Vous êtes notre seul espoir. Sale petit fils de pute! Vous le saviez! Vous saviez pertinemment que les combinaisons étaient symbiotiques. Vous avez fait de mes hommes des morts en sursis! J'en ai fait des sortes de guerriers post-humains. En tant que soldat, vous connaissez certainement l'importance... Vous nous avez menti! J'ai peut-être fait quelques mensonges par omission. Oui. Mais que pouvais-je faire d'autre? Et vous, qui pouvez-vous maintenant? Les SF sont en route, prophète. Et vous? Vous croyez que des soldats humains suffiront à les vaincre? Les humains normaux n'ont pas leur place dans cette guerre. Ils ne sont pas taillés pour. Nous sommes tous des morts en sursis. Rien de plus. Dans mon futur, la mort ne sera qu'un moindre mal. Surcharge nanokinétique. Arrêtez. Les systèmes surchargent. La combinaison rejette le sectionnement. Arrêtez-le. Tuez-le s'il le faut, mais n'abîmez pas la combinaison. Visez la tête. Désolé, c'est raté, l'ami. Fais tes prières. Tara, non! Tara, écoutez-moi! Tout va bien! Je suis de la CIA, groupe d'opérations spéciales, recruté chez les Navy Seals il y a 3 ans. C'est moi qui vous ai ordonné de sauver Prophète et Gould, mais ça a foiré, pari raté. Écoute, on aura tout le temps de discuter plus tard. Il faut qu'on sorte Hargreaves de là avant que les SF détruisent tout sur leur passage. Hargreaves est complètement fou. Il se prend pour le seul humain compétent de la planète. Mais il a des infos cruciales sur les SF. Il y a un siècle, il a volé leur technologie à Tunguska, et il cherche à la développer depuis. Il y a 3 ans, c'est lui qui a manigancé les événements qui ont causé la mort de mon père à Lingshan. Il a un plan pour contrer l'invasion extraterrestre, et il faut qu'on découvre ce que c'est. Il s'est retranché à l'étage de l'exécutif, par là. Sécurité maximale, personne n'a le droit d'aller le voir. Tu peux me croire, j'ai essayé. Il faudrait que tu te fasses un passage. Je monte à l'héliport, nous trouver un billet de sortie. Rejoins-moi là-haut avec lui. Si on l'exfiltre, on l'emmènera dans un endroit où on pourra peut-être le faire parler. Je reste en contact radio. Option tactique disponible. C'est prophète, à passer le. Reçu, signe en tête. Demande assistance immédiate. J'ai une cible. Camouflage activé. Cible camouflée. Ouvrez l'œil. Activé. Ah, je vais faire poste d'artillerie. On a un blessé. Camouflage activé. Merde, il vient de disparaître. Alors vous voilà.
apaisé, enfin. Bienvenue. Chiche récompense pour tant d'efforts, hein? Quand on brave le dédale, on espère au moins apercevoir le Minotaure avant qu'il ne nous tue. Ma foi, ce n'est que justice. Bien. Bas les masques. Me voici à présent. Choqué, je comprends. J'en profiterai à votre place. Sentir votre pouls qui s'affole, sans oublier l'afflux des agents chimiques dans votre corps. Fugace, mais quelle extase! Ça faisait vraiment un bail que je n'avais pas ressenti ça. Un siècle passé sans autre distraction que celle de mon intellect. J'ai suivi la voie que Karl Rasch a refusée et opté pour le chemin de l'immortalité. J'espérais porter la combinaison de prophète, manier ses armes et enfiler l'armure qui lui appartenait. Entrer dans le dédale pour achever le Minotaure. Maintenant, vous allez terminer ce que Prophète a entamé. Pars-toi de là, Alcatraz! Non. Attendez. Il vous manque un dernier élément du puzzle. Il est sur le bureau. Prenez la seringue. Prenez la seringue. Tenez, là, l'itération de Tunguska, la clé qui ouvre toutes les portes. Tu penses que je me suis installé dans cette ville répugnante et infecte parce que je me plais ici? Vous les attendiez? Pourquoi n'avoir prévenu personne? Prévenir qui? L'humanité entière? Quelques hommes triés sur le volet, oui. Regardez le résultat, vieux fou. Ils sont là, vous... Eh oui, Nathan. Les propriétaires sont de retour. Ils reviennent remettre le système en état, faire le grand ménage de printemps dans toute la maison. Et ils n'apprécient pas trop ce qu'ils ont trouvé dans un recoin sombre. On ne peut pas leur en vouloir, n'est-ce pas? Ah, voici les anges de la mort. Ils viennent me rappeler que les humains sont mortels. Eh bien, ils en auront mis du temps. Devenez prophète, portez son armure, luttez pour votre espèce, pour l'humanité dans toute sa magnificence. Agissez pour ce gloire. Oui, c'est ça. Go, go. Vous devez nous sauver. Jacob Hargrave, à tout le personnel du CEL. Le commandant Lockhart est mort. Je ne vais pas tarder à le rejoindre
et le prisme est équipé d'un système d'autodestruction. Le sujet prophète est désormais votre unique espoir d'endiguer l'invasion alien. Stoppez les hostilités et offrez-lui toute l'assistance requise pour évacuer l'île au plus vite. Toute l'infrastructure du prisme sera oblitérée dans 10 minutes. Votre contrat de travail est nul et non avenu. Sortez par les issues indiquées. Option tactique disponible. Alcatraz, le toit est effoncé. Tu ne pourras pas t'échapper par là. Je me rends au pont Queensboro. Si tu veux, retrouve-moi le soldat. Hargreaves n'a jamais bluffé de toute sa vie. Tout va exploser. Il faut que tu sortes de là. Faut qu'on quitte cette putain d'île. Option tactique disponible. Continue, Alcatraz. On traverse la ville jusqu'au pont. Dépêche! Après la mort, 9 cœurs d'anges ou un lac de feu? Au fil du temps, on finit par oublier ces mythes. Mais l'enfant qui a appris à craindre l'enfer ne disparaît jamais vraiment. Pour être très franc, j'ai déjà assez soupé de la vie après la mort. Une vie qui s'apparente au purgatoire. Près de 50 ans à flotter dans un liquide en surfusion comme un vulgaire spécimen médical. Les pensées relayées dans les labyrinthes de silicium des machines, prisonniers de caméras et d'écrans vidéo, condamnés à ne jamais connaître le repos, ne jamais cesser de songer à un monde qui n'est plus le sien. Non, si c'est un avant-goût de l'au-delà, je préfère que tout s'arrête après la mort. Toute l'infrastructure sera en dans 3 mois. Votre contrat de travail pas de temps à perdre, Alcatraz. Traverse le pont.
forces spéciales? La CIA? Et vous n'avez pas jugé utile de m'en informer? Vous informer? Et puis quoi encore, bordel? Mais... j'aurais pu vous aider! Ouais, c'est ça. Si vous tenez à vous rendre utile, aidez-moi à retrouver Steve. J'espère qu'il en vaut la peine. La combinaison! Alcatraz et la combinaison! C'est l'arme ultime! Ouais. Chino, tu neuf? Que dalle. Balayage terminé. On revient en rasant la côte. Je ne crois pas que... Là! C'est son signal! Il est ici! Chino, retour au véhicule. On tient. Par ici! C'est par ici! Venez! Je n'en reviens pas. Je croyais que vous aviez bu la tasse pour de bon. Bref, bye bye, Hargrave. Va falloir se débrouiller. Oh, je suis ravi de te voir, mon pote. Écoute, je crois que je suis arrivé à... Plus tard, professeur. Vous nous ferez la leçon en route. Allez, c'est par là. Rallier la structure alien de Central Park. Montez à bord du véhicule. Alcatraz, bon Dieu, tu t'en es tiré. D'après la mémoire résiduelle de Prophète, les Ceph crèchent juste en dessous du plan d'eau de Central Park. C'est là que se trouve le principal régulateur de spore, le point central. Si on réussit à vous infiltrer sur place, la Combar et toi, on a une chance de refouler l'invasion Ceph. Le problème, c'est justement d'aller sur place. C'est le bon canal. Allez-y. Colonel Barquet, ici le lieutenant Tarasque, force spéciale d'intervention. Nous devons enrayer l'incursion Ceph. Nous avons réquisitionné un transport Ceph et on arrivera à... Vous pouvez vous aider? C'est de la folie! Ce serait un massacre! Toute la zone serait condamnée à l'hiver nucléaire! Et non pas moi! Moi, c'est le prix à payer pour stopper l'invasion Ceph.
vous m'entendez? J'active notre balise GPS. Prenez de la hauteur et localisez notre signal. Les cerfs nous ont fixés sur la position. Ils déboulent de partout. Je tente de contacter Barclay. Traversez l'immeuble et rejoindre l'équipe d'intervention. Camouflage activé. Colonel Barclay, où est notre appui aérien? Nous sommes sous le feu ennemi. Un appareil d'appui sans l'approche de votre position depuis McGear. Mais l'SF diffuse un signal qui perturbe nos fréquences. Le pilote aura besoin d'assistance à la visée. Alcatraz est avec vous? Alcatraz, rejoins un point surélevé. Le support aérien est prêt. Alcatraz, notre système de guidage est aveugle. Donnez-moi une cible ASAP. Marquez l'embuscade SEF pour valider la frappe aérienne. Alcatraz, confirmez identification de la cible. Sommes en approche de l'objectif. Activé. Option tactique disponible. Confirmez identification de la cible. Sommes en approche de l'objectif.
Information tactique disponible. Alcatraz, le signal de votre combinaison est identifié et synchronisé avec notre armement. Nous avons besoin de vous pour désigner la cible en visuel. Confirmez. Alcatraz, confirmez l'identification de la cible. Nous sommes en approche de l'objectif. Putain, c'est passé tout près. On a failli.
entier vient de décoller. Demandons évacuation immédiate et soutien aérien armé. Envoyez-nous toute l'aviation disponible, chef. Reçu, madame Strickland. Je fais mon possible. Que Dieu vous aide. Alcatraz, écoutez-moi. Vos transports aériens sont en route. 6 hélicoptères empruntés aux ailes, c'est tout ce qu'on a. Et pour changer, le temps joue contre nous. À moins de désamorcer rapidement la situation, le Pentagone a autorisé le recours à la force nucléaire sur Manhattan. Vous avez 20 minutes de battement. Quoi que vous ayez l'intention de faire, faites-le vite! Scorpion 1, en approche. Ici Scorpion 3, j'approche du plateau. Bon Dieu, vous avez vu ce truc ? Incroyable. Scorpion 3, faites-le descendre. Alcatraz, on t'aidera autant qu'on peut. Courage, soldat. Je ne pourrais pas être à ta place.